gouvernement a adopté dans le conseil des ministres passé la proposition du ministre de la Défense sur l'ordonnance loi portant les corps des réservistes de l'armée. Ça veut dire quoi de termes clairs? Les civils qui ont des connaissances militaires, ils vont devoir être constitués à un corps des réservistes. Pour qu'en cas d'agression du pays, comme c'est le cas aujourd'hui, ils soient mis dans les mêmes conditions que l'armée pour appuyer l'armée sur les terrains. Vous m'avez suivi à plusieurs reprises, j'ai demandé aux Congolais de se mobiliser. Je reviens à la question de Noël. On ne peut pas croire qu'indéfiniment, nous serons défendus par les autres. C'est le message que Macron nous a lancé avant-hier, avec raison. Nous ne pouvons pas croire qu'indéfiniment, les autres viendront se battre pour nous. À chaque fois qu'on arrive ici, la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas amener Artemis Plus? Est-ce qu'on ne peut pas ramener les ici? Non. Les autres ne viendront pas mourir tout le temps pour nous, alors que nous sommes là. Nous avons la force de pouvoir nous défendre en tant que pays. La Constitution les donne même comme devoir. En tant que Congolais, chacun doit contribuer à pouvoir sécuriser ou défendre son pays lorsqu'il est attaqué par une force étrangère. Donc, à ce qui nous concerne au sein du gouvernement, nous ne voulons plus que les gens disent que voilà, nous utilisons des forces supplétives. Il n'y a pas de forces supplétives lorsque les gens se défendent leur propre pays. Ce sont les vrais compatriotes. Au lieu de passer votre temps sur WhatsApp en train d'injurier les gens à gauche, à droite, venez vous mobiliser. Vous allez recevoir des formations et vous ferez partie de ces forces réservistes. À temps de guerre, vous êtes mobilisés et on vous met dans les mêmes conditions que les autres. Et donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent,